coup, à Chazelle, il y a un nouveau magasin qui va s'ouvrir, donc Place Saroc, qu'on ouvre au 31 mai, avec uniquement des produits locaux au niveau crèmerie, fromagerie. Donc, il y aura principalement nos fromages, issus de notre fabrication, de notre exploitation. Donc, le GAEC des Deux Chapelles, c'est en priorité l'élevage de vaches laitières, la transformation de produits crèmerie et fromagerie, l'affinage à notre cadre des courtines à Duerne et la commercialisation à la crèmerie fromagerie Place Saint-Roch et à Uniferme. Du coup, notre fonction principale, c'est donc l'élevage de vaches laitières. On transforme une partie de la lait, du lait en fromage et produits de crèmerie. Et une partie est envoyée à Biolay. Donc tous les matins et tous les soirs, donc il y a deux traites par jour, on réceptionne le lait à la fromagerie ici. Et on va le transformer en différents produits. Donc ça a du yaourt, de la crème fraîche jusqu'au fromage affiné, des fromages frais. Là on est dans la salle, on appelle ça réception du lait et salle de maturation. Donc la salle de traite est vraiment juste derrière. On reçoit le lait ici tous les jours. Donc après on le dispatche selon ce qu'on veut faire. On a un pasto pour faire des yaourts. Là on a des cuves de fabrication où on fait tout ce qui est fromage lactique. Et on a d'autres cuves à côté où on fabrique tout ce qui est pâte pressée, pâte persillée, pâte molle. Alors ici on affine tout ce qui est pâte pressée non cuite, pâte pressée cuite et pâte persillée. Donc ça c'est les familles des fromages. Donc on a de la tomette, on a des petits formats comme ça. On a des gros formats comme ça de 15 kg, ça c'est de la pâte pressée cuite. Voilà. Donc ça va de 3 semaines à 6 mois, 6-8 mois. Alors sur le lieu, on a un petit magasin donc, devant la cave. Et tous les samedis matins, on est ouvert. Donc les gens viennent, on propose une petite dégustation. Et comme ça, ça permet d'échanger avec eux sur notre façon de travailler. Et comme ça, ils voient le lieu qu'est la cave, quoi. Alors, une petite dégustation. En fait, il y aura une dégustation chaque jour d'ouverture. On va proposer sur une petite planche des produits, on va dire, du mois, des produits de la semaine pour mettre en avant et pour faire découvrir surtout aux gens des nouveautés, des fromages atypiques. On va proposer les fromages essentiellement à la coupe, donc à la demande, en direct. Il n'y aura pas de fromage emballé, de pré-emballage. Alors au magasin à Chazelle, ce qui va vraiment nous différencier des autres crèmeries fromageries, c'est qu'on va proposer des fromages locaux, des fromages qu'on va affiner nous-mêmes à la cave. Donc et on n'aura pas d'AOP français, de Comté, de Saint-Nectaire, fromage comme ça. Mais on va proposer aux gens d'autres fromages qui se rapprochent de ces AOP et essayer de faire découvrir vraiment des nouvelles saveurs, des nouveaux produits, quoi. Et puis on a vraiment hâte que les gens viennent découvrir le magasin, mais aussi la cave et le lieu où on affine tous nos fromages.